Donc, nous sommes à Dakar en famille, entre autres, pendant 5 années. Nous avions, comme le gouvernement nous avait donné comme terrain de recherche, un lac de guerre. C'est un lac d'eau douce dans le nord du Sénégal qui est lié au fleuve Sénégal par un pont-barrage pendant la saison de l'hivernage dans les... Quand le fleuve est en crue, le lac se remplit d'eau douce qui sert à alimenter la capitale à 400 km en eau potable. Et c'est un lieu assez fascinant. Il y avait des morts qui arrivaient, si vous voulez. Il y avait des Peuls, des pasteurs Peuls, des transhumants. Il y avait des agriculteurs Wolof. Et un grand sucrerie industriel qui avait démoli et des projets entre guillemets de développement de la coopération suisse qui était venu à bout d'un forêt sacré. Il y avait des panneaux forêt préservée et derrière tu avais que des tomates qui pourrissaient au soleil. C'était hallucinant. C'est ce que j'ai vécu en développement et non au développement, c'est pire que ce que j'ai vécu dans le monde religieux, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant dans l'Institut de Dakar. C'était à la fois universitaire, donc on publiait des choses théoriques, académiques, mais nous étions aussi jumelés ou presque associés à une grande ONG internationale, ENDA, Environnement et Développement Tiers-Monde, qui avait été créée par un français sympa, Bougnicourt, et qui était beaucoup plus impliqué, si vous voulez, dans des projets au ras des pâquerettes. Et donc, c'est là aussi, je me suis toujours retrouvé par-delà la théorie et la pratique. À la fois en Tanzanie, je ne faisais pas que étudier, participer et observer les problèmes de possession pour écrire un article dans L'Homme ou Man ou Dieu sait quoi. Par la force des choses, les gens m'identifiaient à juste titre à quelqu'un qui s'intéressait de près au sort des gens. Ils n'auraient pas compris que je me tiens à distance, que je ne me montre que en tant que sympathisant du dehors. Et donc, j'étais vraiment impliqué à fond dans le phénomène. Donc, j'ai eu non seulement à prendre note de ce que disaient les esprits, mais à dialoguer avec les esprits, à les rendre plus sympas, plus attentionnés à leurs victimes, et même parfois à les adorciser. C'est notre cher collègue Deutsch, malheureusement désormais parti, qui a vécu aussi les mêmes expériences que moi et qui s'est rendu compte que le lieu africain ignorait l'enjeu de l'exorcisme. Exorcisme, c'est dehors, exit, fous le camp, rentre chez vous. Et parce que dans l'Église catholique, moralisatrice, manichéen, dualiste, bon Dieu, diable, si vous voulez, le mal incarné, on ne peut pas, c'est grotesque, d'imaginer
en théologie stricte qu'on puisse négocier ou discuter avec le diable. Il ne veut que le mal, il ne fait que le mal. Donc, la seule solution, c'est de l'éliminer, de l'exorciser, de l'expédier en enfer. Pendant plusieurs siècles, néanmoins, dans l'Église, tout le monde pouvait exorciser, et surtout ceux qui se sentaient à la hauteur d'exorciser, de discuter ou de dialoguer ou de détruire la présence diabolique. Petit à petit, l'Église s'est réservée le monopole de l'exorcisme et l'a même confié à une toute petite élite de prêtres agréés pour la tâche. Il est interdit à n'importe quel prêtre d'avoir affaire au diable. Si quelqu'un dans sa paroisse est possédé, il doit faire intervenir l'exorciste diocésain. Justement, parce que c'est grave. Vous allez brûler vos doigts si vous commencez à chipoter avec le diable et vous n'êtes pas programmé pour ça. Vous risquez grave et de faire des dégâts. Et donc on est parti dans une sorte d'impasse idéologique de plus en plus difficile à gérer. Parce qu'avant le Moyen-Âge, le diable, bon, il n'était pas commode, mais il y avait moyen de discuter, si vous voulez. Et surtout, mettons, les sorciers, il y en avait autant chez nous qu'en Afrique. Mais de nouveau, c'était des personnages un peu ambigus. Et puis au Moyen-Âge, malheureusement, la démonologie, la satanologie, la théologie du mal a glissé dans le champ de la sorcellerie. Et les sorcières, et surtout les sorcières, évidemment, étaient censées avoir fait un pacte avec le diable. C'est l'exemple par excellence, c'est Goethe. C'est avec le pacte avec le diable. Et ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que l'explosion anti-sorcier et donc qui a démoli la vie des milliers de vieilles pauvresse et d'orphelins coïncide avec la naissance des Lumières, avec la Réforme. Pendant le Moyen-Âge, ça existait, mais il n'y avait pas la même turbulence, il n'y avait pas la même rupture de continuité qu'il y a eu au moment de la Réforme et des Lumières. Là, il y a une explosion anti-sorcier du côté des intellectuels et du clergé, quelque chose de totalement aberrant et qui a créé beaucoup de dégâts. Tandis qu'en Afrique, du dehors, effectivement, la possession, ça paraît assez inquiétant. Ça donne au moins la chair de poule. Il y a des femmes qui tombent par terre, qui gigotent, les yeux sont extra-orbités, elles ont une aspiration saccadée, etc. Et ça paraît diabolique, mais quand vous vivez ça du dedans et de près, vous voyez que ça ne peut qu'être rattaché aux religieux que d'une façon excessivement ethnocentrique. J'ai eu affaire, par la force des choses, à plus d'une centaine de cas de femmes possédées. Il y avait quelques hommes possédés, mais c'était des hommes qui étaient, sans vouloir vexer les féministes, assez efféminés. Ils n'étaient pas très bien dans leur peau mâle, si tu veux, et donc avaient des problèmes d'identité. Il y avait chez nous à Mapile un homme possédé parce qu'il se faisait battre par sa femme, ce qui n'était pas prévu par le programme. Et donc, quand vous êtes impliqué et les gens veulent que vous y soyez, vous rendez compte que c'est tout simplement une façon de gérer des drames existentiels, mais pas extravagants. C'est des querelles dans les foyers polygames, c'est
des problèmes intergénérationnels. Une fille se fait posséder par les esprits envoyés par son papa et son vieux fiancé parce qu'elle ne veut pas l'épouser. Et ça, ça ne va pas. Il y a un problème de renégociation de l'espace de liberté des jeunes par rapport aux vieux. Mais ça n'a rien à faire avec Satan, si vous voulez. Bon, chez nous, les esprits s'appelaient des machetani et des magini. Malheureusement, si vous voulez, de nouveau, d'une manière ethnocentrique, tout ça est traduit comme esprit. Et donc, on est de nouveau dans une dichotomie gréco-latine et judéo-chrétienne entre matière et esprit, corps et âme, Dieu et le diable, ce bas monde, le ciel, temps et éternité, auxquels les Africains que j'ai connus n'ont rien à cirer. Il n'y a pas de matière et esprit en Afrique, il n'y a pas de corps et âme. La logique humaine africaine est d'une complexité parfois énorme. C'est un peuple qui distingue jusqu'à 9 éléments dans l'identité humaine et qui ne distingue pas à ce point l'homme de l'animal. Mon voisin me disait comme ça, par hasard, que son père avait été un lion. Moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Ou on est homme, ou... Non, non, chez nous, ça va. Et pourquoi pas? Ça veut dire ils sont pas en train de dire que Homo sapiens et Léo Panthère peuvent être glissés l'un dans l'autre. Ils sont en train de dire ce que nous avons compris par être humain depuis 3,5 millions d'années, depuis Lucie. Et ce que lion signifie, c'est pas du tout ce que vous avez en tête. Et donc, en Afrique, être un homme lion, c'est bon, c'est tout à fait plausible. Et de fait, c'est tout à fait plausible. Au-dedans, s'il pleut, il faut un parapluie. S'il y a un parasol, il faut un parasol. Et donc, ils sont sur un parasol, un homme peut devenir un lion et vice-versa. Et donc, les esprits auxquels j'ai eu affaire, très vite, j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose. Parce que le père supérieur qui m'avait appris le Swahili a dit, « Mike, vous allez voir, les Africains, c'est des grands enfants. Toutes ces histoires d'esprit, c'est de la fumée sans feu. » Dès que le père Freud, il était hollandais, donc il croyait à plus grand-chose, sauf au cognac sérotinal. Et il a dit, écoute, une fois qu'ils sont grandis, ça va disparaître comme chez nous. Tu auras quelques fous des vrais, ou quelques psychopathes à psychanalyser, parce qu'ils ont les moyens de se permettre de se défouler dans cette direction-là. Mais les esprits, ça n'existe pas. C'est une illusion d'optique. Il y a de la fumée, mais pas de feu. L'abbé africain, pour qui j'ai le plus grand respect, parce qu'il était excessivement accueillant à mon égard, pour lui, c'était, à Mapili, c'était les feux de l'enfer qui brûlaient, pas seulement de la fumée, mais il y avait une secte de femmes qui adoraient Satan, ni plus ni moins. Donc il avait assimilé à la lettre la théologie du Concile de Trente et du Catéchisme de Trente dans les années 1930, quand il avait fait sa théologie, il n'avait pas bougé depuis. Donc pour lui, c'était vraiment le diable, dans toute sa splendeur médiévale, était présent à Mapili. Ouais, j'ai dit, bon, il y a de la fumée, il y a un feu, mais le feu, c'est tout simplement des problèmes, comme j'ai dit, entre vieux et jeunes, entre hommes et femmes, entre femmes dans un foyer polygame. Et que ça avait un sens, ça veut dire, en Occident, nous sommes dans une impasse égologique. Et depuis que Jésus est passé par là, on est excessivement axé sur l'individu tout seul. Déjà avec Descartes, le soi tout seul, le soi solipsiste qui n'arrive même pas à rejoindre son corps. Et, sauf que Dieu nous a préservés de l'illusion qui aurait pu être créée par un gros malin. Et partir de son corps vers le monde tout court, ça fait encore problème. Mais ça, c'est des histoires que les Africains, à juste titre, trouveraient complètement loufoques, si tu veux.
d'emblée et d'office, vous êtes impliqué, embarqué dans l'autre. C'est ce que j'appelle l'allologie, la logique de l'autre. C'est une logique qui est allophonique, parce que nous sommes en oralité, donc l'autre parle. Et c'est allophanique aussi, phanein en grec, c'est apparaître. Donc c'est une allologie allophanique et allophanique. C'est un peu jargonnant, mais c'est très beau. C'est patenté. Donc il y a égologie, allologie, et l'Afrique est foncièrement allologique, mais ça change tout. Parce que ce moment-là, les esprits sont négociables. C'est l'autre qui est là, c'est les structures. Ça veut dire, effectivement, tu n'es pas seul pilote dans un monoplace. C'est l'autre, il est là. Il y a la pression sociale. Durkheim a raison. Il y a les représentations collectives. Il y a quelque chose dans la sociologie. C'est vraiment qu'il faut tenir compte de ce qu'il trouve dans ton milieu. L'apartheid, la mouvance, la décroissance, le podemos et tout ça. C'est ça le dehors qui te tombe dedans. Et il y a certains... Bon, nous, entre guillemets, les intellos, les petits bourgeois, nous sommes libres de nos moyens. On a l'impression de pouvoir tirer notre plan tout seul comme des grands. Mais quand vous êtes prolétaires et paysans, tout vous tombe dessus du dehors, dans votre dedans en permanence, au point que vous n'avez presque pas de dedans. Dès qu'un ouvrier bouge, dès qu'un paysan bouge, il y a les prêtres, les profs, les politiciens, les policiers, le fisc. Tout le monde lui tombe dessus. Donc, instinctivement, il y a des esprits. Ça veut dire qu'il y a un dehors qui vous embête, qui vous envahit, qui vous encadre en permanence. Et il faut négocier un prix avec ça. Et donc, moi, je me suis dit... Cette brave dame qui gérait tous ses possédés avait été effectivement, comme disait de Hirschen, adocie, ça veut dire non pas chasser les esprits, mais les maîtriser sur place, dialoguer, discuter, arriver à une sorte de compromis historique et non pas hystérique par rapport à une situation personnelle pénible, difficile à gérer. Et c'est comme ça qu'on faisait. Les esprits, grâce à des interventions, entre guillemets, rituelles, des chants, des invocations, même la fumée de l'encens, etc., etc., on arrivait à faire parler l'esprit, ça veut dire de la tête des femmes possédées, vous entendiez, vraiment, je l'ai enregistré, parce que les psys disent « mais c'est pas possible ». Nous, on a affaire à des schizophrènes et à des paranoïaques, mais ils entendent des voix intérieures, mais personne ne les entend. C'est ça le problème. Moi, je dis, en Afrique, c'est exactement le contraire. Les esprits parlent de vive voix. Et ils discutent, tu échanges, tu dis, voilà, quand même, dans ce cas où la fille a été écrasée par les esprits qui voulaient absolument imposer le vieux fiancé sur elle qui ne rêvait que d'un prince charmant, ben on a discuté avec les esprits en disant « Oui, c'est vrai, maintenant, les jeunes filles, elles ne font qu'à leur tête, mais que voulez-vous, c'est désormais la modernité. Est-ce que vous ne pourriez pas ne pas la tuer quand même ?» Parce que les esprits, c'est comme dans les souks, le prix de départ est astronomique. En négociant, on arrive quand même à diviser ça par 10. L'esprit, toujours, il dit « Je suis envoyé pour tuer cette fille parce qu'elle a méprisé son papa, elle a fait un bras d'honneur à son fiancé, c'est pas permis, je suis envoyé, j'ai un mandat pour la tuer. » Alors, moi et la dociste et tous les villageois disent « Oui, oui, t'as pas tout à fait tort, parce que maintenant, les jeunes, ils foutent la pagaille, mais comprenez que ça évolue, il faut quand même pas exagérer, est-ce que... » On pourrait pas la faire souffrir, quoi. Alors, quand tu expliques ça à des féministes, ils sont rabiques, mais c'est pas possible. Mais je dis, mais cette fille est d'un réalisme total, et c'est très bien qu'elle a fait un geste pour la condition féminine tanzanienne à l'époque, où il était extrêmement rare que les jeunes filles puissent choisir leur mari. Elle a osé, en pionnier, faire ça, mais elle sait qu'il y a un coup caché, il y a un effet pervers. Elle ne va pas trouver de mari tout de suite. Aucun Mukonongo va épouser une fille têtue. Donc,
C'est ce que dit, quand l'esprit dit non, je ne vais pas la tuer quand même, mais elle doit quand même souffrir un peu, et c'est une solution tout à fait réaliste. Alors moi, j'abondais dans le même sens. Et j'enregistrais ce que disaient les esprits avec mon petit enregistreur. Et je, parce que le problème, c'est que elle ne se rend pas compte de ce qu'elles disent. Heureusement, les gens qui sont là écoutent et expliquent après, quand les possédés reviennent à leurs propres esprits. Mais moi, j'ai enfoncé le clou le lendemain en leur faisant écouter ce qu'avaient dit leurs esprits, parce que c'était ce que les possédés disaient à elles-mêmes, ni plus ni moins. Et donc, ça, c'était pour moi une stratégie pastorale des plus payantes. Ça veut dire, au lieu de dire que les esprits, c'est de la foutaise ou que l'esprit, c'est le diable, je dis, l'esprit, c'est toi. Mais c'est toi avec les autres, avec le social, avec les, entre autres, le système de la pression parentale. C'est un dehors, c'est un mauvais esprit. Il faut négocier, c'est pas le diable, mais on peut améliorer. Et les esprits étaient très souvent capables de discuter. Par exemple, ça fait toujours rigoler les gens, mais la première fois que j'ai réussi à assister à une séance d'adocisme, il y a une demi-douzaine de femmes possédées qui demandaient à fumer mes cigarettes. J'avais un budget spécial Marlboro pour les esprits, si tu veux. Les esprits, cigarettes. Et les gens trouvent ça complètement loufoque, et même le tabagisme aidant, assez méchant d'encourager les esprits à fumer. Mais c'était très clair, si tu veux, dans mon esprit, c'est le cas de le dire, c'est que au 19e siècle, dans les gravures des explorateurs, on voit beaucoup de femmes avec des pipes, elles fument. Puis tout d'un coup, je ne sais pourquoi, à l'époque coloniale, les femmes ne pouvaient plus fumer en public. Et donc, si elles voulaient fumer, elles devaient faire passer leur désir via le désir d'un esprit. Comme ça, elle disait, mais c'est pas moi qui fume, c'est l'esprit, si tu veux. Et leur mari ne pouvait pas dire, je vais pas te payer des clopes, parce qu'il payait des clopes à l'esprit. Et donc, l'honneur était sauf, la face, tout le monde sauvait la face, y inclut les esprits. Il dit, oui, mais pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas fumer? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas se libérer comme ici? Mais elles n'ont pas besoin de se libérer comme ici. Si elle se libérait de la même manière brutale, directe, face à face, que les femmes ici, ça aurait foutu par terre la société Konongo de l'époque. Il faut libérer les gens au-dedans de l'espace qui les comprime, qui les opprime, et non pas en fonction d'un idéal de la femme américaine ou de la femme occidentale. Et donc, moi, j'ai trouvé que le phénomène de la possession était tout simplement la forme, le projet d'émancipation féminine tel que projeté par les femmes du cru, avec un réalisme et une efficacité à toute épreuve. Tandis qu'y débarquer en féministe farouche aurait eu les mêmes effets pervers que le missionnaire qui débarque avec tout son brol ou le médecin occidental qui débarque avec tous ses médicaments, c'est des cheveux dans la soupe. Les gens ont fait mijoter leur propre soupe pendant des siècles. Ils n'ont jamais attrapé des indigestions carabinées. Et donc, moi, je dis, fous leur la paix ou mange la soupe avec eux. Et c'est ça qui, pour moi, est l'anthropologie impliquée, qui est tout autre chose que l'anthropologie appliquée. On s'implique avec ce qu'on trouve sur place. C'est ce que je disais hier, c'est les individus, les institutions, les idéologies qui comptent déjà, qui peuvent permettre à un étranger sympathique d'agrandir, d'élargir des espaces de liberté tels que localisés et localisables sur place, et non pas en vue d'une hypothétique liberté humaine tout court.